Et on se retrouve donc pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Sandrine Lavigné qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la directrice, la créatrice de Planning Cook. Oui, la gérante de Planning Cook. Voilà. La gérante de Planning Cook. Alors, vous avez reçu le prix Innovation cette semaine. Alors, on va reparler de ce prix, bien sûr. Est-ce que, d'abord, pour commencer, vous pouvez nous présenter Planning Cook ? Alors, Planning Cook est un service en ligne, donc, qui fonctionne avec un abonnement et qui permet de planifier ses repas selon ses envies, ses besoins, et qui donne par la suite la liste de courses classées, budgétisées et toutes les recettes. En fait, on ne se pose plus jamais la question de ce qu'on va faire à manger tous les jours. Alors ça, c'est bien pratique parce que c'est quand même la question qu'on se pose en permanence. Comment ça vous est venu cette idée ? Vous-même, vous êtes retrouvé devant les fourneaux en vous disant « bon, qu'est-ce que je mange ce soir ?» J'avais toujours le problème en fait, et l'idée est venue un jour comme ça, et puis je me suis dit « tiens, voyons ce qui existe déjà ». Et puis, j'ai pas trouvé vraiment ce à quoi j'avais vraiment pensé, et donc j'ai décidé de le mettre en pratique, parce que c'est vrai que c'était une contrainte au quotidien de faire à manger. Oui, oui. Vous étiez dans le secteur, vous, ou pas du tout ? Pas du tout. J'étais dans les normes qualité, sécurité et environnement pour les entreprises, donc rien à voir. Donc rien à voir. Vous êtes lancé là-dedans il y a 2 ans maintenant, c'est tout ça ? Tout à fait, voilà. Et c'est aujourd'hui que vous avez un petit peu le fruit de votre travail, vous récoltez un petit peu le fruit de votre travail grâce à ce prix Innovation. Je suis vraiment très très contente d'avoir reçu ce prix, parce que c'est une belle récompense pour la société, et ça donne une impulsion supplémentaire pour continuer le développement. Ça va permettre quoi, ce prix en particulier ? Alors je voudrais retravailler sur certaines fonctions du site et peut-être préciser de nouveaux menus, voilà, donc continuer les développements. Alors on va parler du site en particulier, on reviendra sur le prix après. Le site, vous travaillez avec des personnes en particulier, vous avez des partenaires, comment les menus sont étudiés ? Alors au quotidien, voilà. Donc je travaille toute seule, mais derrière j'ai fondé une petite équipe d'experts composée d'un pédiatre, donc monsieur Guillermo Bettas, qui travaille à la clinique de l'Occitanie, monsieur Jean-Luc Danjou, qui est meilleur ouvrier de France cuisine, madame Jadas, qui est bionutritionniste à Toulouse, et madame Estève, qui est diététicienne également sur la région toulousaine. Voilà. Donc eux vont rédiger des avis d'experts de manière à apporter une information pertinente et de qualité pour les visiteurs. Au niveau des produits, vous amenez vers une certaine enseigne. Je sais qu'il y a un partenariat avec Auchan, je crois. Tout à fait. Donc, les personnes vont imprimer leur liste de courses, si elles le souhaitent, et aller faire leurs courses dans les magasins qu'elles ont l'habitude de fréquenter, ou alors directement faire leur achat en ligne avec Auchan Direct et se faire livrer à domicile, surtout sur la région toulousaine, ça fonctionne. Ça a été facile de passer un partenariat avec une enseigne comme Auchan ? Ils ont été sensibles, dirais, de suite à... Ils ont été vraiment sensibles au projet, et je pense que c'est vraiment le prolongement en fait de Planning Cook, de pouvoir livrer à domicile les courses et après d'avoir la facilité de réaliser les repas. La boucle est bouclée, quoi. Exactement. Grâce à ça, voilà. Vous prenez, oui, les gens du départ jusqu'à la fin, vous les accompagnez. Tout à fait. Ça marche bien pour l'instant ? Ça marche très bien, oui, absolument. Donc on a un niveau d'abonnement qui commence à être intéressant. Alors ça, c'est important, vous marchez par abonnement ? Oui, c'est un abonnement. Donc vous avez plusieurs formules d'abonnement. Ça va de 8 € par mois à 5,80 € par mois pour la plus longue durée. Voilà, donc c'est un prélèvement. Alors pour cet abonnement, on a quoi exactement ? Voilà, moi demain, je viens sur le site, j'espère, je m'inscris, je m'abonne pour bien manger. Mm-hmm. J'en ai besoin en plus. Et finalement, voilà, qu'est-ce que vous me donnez ? Bien, en fait, vous allez pouvoir créer votre profil, votre famille, vos amis, générer votre planning de menu, donc modifier les recettes. Vous pouvez planifier de 1 à 14 jours, donc modifier le nombre de convives. Il y a 5 catégories de menus avec lesquelles vous pouvez vous amuser. Donc, il y a menu simplicité, bien-être, diététique, très encadré, réception et les menus d'ailleurs, donc pour manger un petit peu exotique. Et une fois que vous êtes OK avec tout ça, vous avez votre liste de courses classée, budgétisée, et vous imprimez toutes vos recettes. Donc, en fait, à voir avec mon physique, disons. C'est-à-dire, je ne vais pas vous donner mon poids ou ce genre de choses. Si, vous pouvez, dans le profil, vous le donnez, mais ça vous permet de calculer l'IMC, donc de pouvoir vous positionner par rapport à l'indice de masse corporelle. Mais il n'y a pas de...
Bon, aujourd'hui, vous avez votre public, c'est quoi? C'est des Toulousains, c'est des Français? C'est mondial? Voilà, vu que c'est sur Internet, c'est mondial. Donc évidemment, les clients très 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 loin sont rares, mais il y en a quand même, puisqu'il y a déjà eu des personnes des États-Unis, d'Hong Kong, souvent des Français qui ont envie de voir un petit peu, voir comment ils peuvent préparer leur repas à l'étranger. Sur le prix innovation en particulier, donc on a dit que ça va vous donner une visibilité quand même assez énorme. Comment on vous trouve? Comment ce genre de prix vient vous chercher? C'est vous qui allez vers eux ou c'est eux qui viennent vers vous pour vous dire voilà, ça m'intéresse ce que vous faites? C'est la troisième candidature que je déposais pour ce prix. Voilà. Alors bon, il y en a, ils candidatent une première fois et puis ils remportent un prix. Hein. Je pense qu'il y avait une certaine maturité aussi à acquérir dans Planicook. Et cette année, ça a été reconnu, donc je suis vraiment contente en tant que coup de cœur en plus. Donc c'est mon deuxième prix cette année en tant que coup de cœur. Donc voilà. Ah, c'était quoi l'autre? Les trophées de l'économie numérique de Midi Pyramide. Quels sont les critères qui pour juger? Enfin, voilà, C'est l'originalité donc du concept. Il y a également un côté stratégique qui est regardé. Et puis, ce que ça va apporter à la société. Et là, dans mon cas, ça simplifie la vie. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Et l'aspect un petit peu communautaire aussi que j'essaie d'inclure au fur et à mesure. Voilà. Quel est l'avenir de votre site aujourd'hui? Un développement? Alors, un développement, voilà, avec des nouvelles fonctions pour simplifier l'accès à l'outil et aller encore plus vite dans le délai de réponse, donc des menus. Et puis, y a d'autres projets, on va voir. Voilà, il y a des choses en cours qu'il faut affiner. Voilà. Et un développement du site, de toute façon, ça c'est envisagé. Tout à fait, voilà, moi je continue. Et puis ce prix me permet aussi d'être plus sereine face à l'avenir. Oui, parce qu'il faut... Il faut quand même préciser quelque chose, c'est que ce prix, il y a quand même une dotation financière. Oui. Voilà. Ça va vous permettre d'investir dans le site internet. Absolument. Seul ou vous avez peut-être des investisseurs qui vont rentrer dans le capital? Oui, justement, suite à une émission radio, une personne a pris contact avec moi et le contact est très bien passé et elle a envie de participer à l'aventure Planicook. Donc je vais la faire rentrer dans le capital très prochainement. D'accord, vous-même vous êtes ouverte à ce genre de choses, à faire rentrer le plus de personnes possible, enfin le plus de personnes possible peut-être pas, mais... vous êtes ouverte à faire rentrer des personnes dans le capital. Tout à fait, des personnes de qualité qui ont le même engouement pour le projet que moi. Donc là, je pense que j'ai vraiment trouvé la personne. Donc ça va permettre de bien échanger et de développer des nouvelles choses. Alors, vous êtes plutôt bien exposé dans les médias, je trouve. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà, Télématin, j'ai vu qu'il y avait sur TF1. Comment vous expliquez que cet engouement médiatique, en tout cas pour le site internet? Je pense que quand on parle avec son cœur, avec ses tripes, voilà, quand c'est son projet, je pense qu'on peut vraiment soulever des montagnes et voilà, c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Au niveau du consommateur, réellement, qu'est-ce que ça apporte Planicook? Alors ça permet une économie financière en termes de budget alimentaire, puisqu'on va être sur une réduction d'à peu près 30% du budget alimentaire hebdomadaire, et puis un gain de temps, parce qu'en fait en planifiant les repas, on va éviter le gaspillage. Et donc, ça va nous permettre de... En quoi on gagne de l'argent? Alors, justement, comme on planifie les repas, on ne va pas acheter n'importe quoi quand on va faire ses courses. On va acheter exactement ce qui est indiqué sur la liste de courses. Donc, on gagne en... C'est ce qu'on ne jette pas, quoi, finalement. Voilà, on évite le gaspillage. Et puis, je fais raisonner les personnes en termes d'unité. C'est-à-dire, je ne vais pas vous faire acheter un kilo de bananes si vous avez besoin de deux bananes. Je vous dis, vous prenez deux bananes. Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les ménages français, il y a 30% qui sont 30% du budget consommation qui est jeté. Oui, soit qui est jeté, soit qu'on ne regarde pas ce qu'on a dans le placard avant de faire les courses et du coup on va racheter deux fois la même chose, donc deux fois de la chapelure, deux fois du bouillon cube. Qui va se périmer, qui... Voilà, pas forcément qui va se périmer, mais bon, qu'on va voir, on va en voir en double. Donc là, c'est vrai qu'avec la liste de courses qui est proposée sur Planicook, vous avez une information conso réelle qui vous permet de voir après ce qui vous reste en stock. D'accord, voilà. Donc vous gérez quasiment les placards des gens. Voilà, c'est un management de placards, c'est un outil de consommation raisonnée. Très bien, et je vous remercie beaucoup d'avoir participé à notre émission à l'invité du jour. Et nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Au revoir.